D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, alors j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc voilà, nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc aujourd'hui, alors je pensais vous ouvrir le coffre, mais au final il reste encore quelques heures. Il sera débloqué, enfin, en tout cas, les récompenses seront disponibles dans 24 heures. Et ce n'est pas encore, le cas. Ça fait moins de 24 heures. Fin dans un jour et 20 heures. Okay. Dans une journée et 20 heures. Bref, je fais un petit coucou. Petit coucou YouTube. Donc voilà, si vous voulez dans le clan, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le hashtag. Je vais mal écrire, bon, ils vont comprendre. Donc là, vous avez le nom, vous avez le hashtag. N'hésitez pas à venir. Comme ça, je vais virer ceux qui sont pas connectés depuis quelques mois. Donc là, par exemple, on a celui-là qui n'est pas connecté depuis un an. Donc ouais, je m'en viens quelques-uns, mais là il y en a de plus en plus d'actifs, donc c'est vraiment sympa. Là par exemple il y a 2 mois, je crois que le reste on est plutôt pas mal, hein, franchement. On est plutôt pas mal. 2 mois, donc ouais, bah, ça sert à rien, il a arrêté. Et je crois que le reste, ça va, hein, le reste, on... ah non, 15 mois j'ai vu. Didi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, hein, surtout il y a de la place, quoi, il y a encore à peu près une bonne dizaine de places. Donc n'hésitez pas à venir. Donc là, 2 couronnes, on va ouvrir le prochain coffre. Donc on va attaquer, hein, c'est parti. Allez, c'est parti. Après on va faire un 2v2 avec quelqu'un du clan, enfin celui qui est connecté. Donc là, c'est assez simple parce que je compte à niveau 10. Je suis encore à 4500 trophées. Donc c'est assez simple. Ah, il y a 2 personnes qui regardent. Une, deux. Qui regarde l'attaque. Donc là, je sais pas ce qu'il fait. Il attend. Ok. Bon, écoutez, on va jouer ça. J'espère qu'il a pas de flèche, truc comme ça, ou de boule de feu. Non, ça a l'air d'aller. Nickel. Bon, pour l'instant 0 et je pense qu'on peut aller chercher 3-0 direct. Parce que le ballon a encore pas mal de points de vie, donc on peut aller chercher le 3-0 direct. Et voilà, petit barbare. Donc voilà, c'est assez rapide au moins. Donc voilà, 3 couronnes, normalement on ouvre le coffre, si je me trompe pas, le coffre avec la récompense. 30 trophées. Allez. Donc voilà, parfait. Qui est chaud de VS2. Voilà, nickel. Je demande qui est chaud de VS2, il propose donc. On va juste ouvrir le coffre là, et puis après on va attaquer en 2v2. Donc petit coffre. On a 1000 d'or, 3 gemmes, 2 recrues royales, Gwen de glace, 60 archers. Ok, on n'a pas de. On voit ce petit coffre là. On n'a pas des pics, mais bon. Alors, allez, c'est parti. Je suis un peu long, mais bon, j'ouvrirai le coffre. Donc là, 2v2, on est niveau 11 et sur niveau 12, donc ça va être chaud, mais bon, on va essayer. Alors. Géant. Mince, d'accord. Je pensais attaquer direct comme ça, mais en fait, c'est vrai qu'on est en 2v2, donc faut que je fasse attention à ça. Bon, pour l'instant, un petit peu de dégâts quand même sur la tour de gauche, mais bon. Fasse attention parce que c'est vrai que j'ai lancé le géant comme ça. Bon, il va être utile, je. Ouais, non, il va pas être très utile parce qu'honnêtement. Enfin, moi je mets les gargouilles parce que là, si je mets pas les gargouilles, on va se faire attaquer. Donc, je mets les gargouilles. Ok, donc il y a une sorcière en face, donc ça, au moins on le sait. On a une TD toujours présente. Ouais, la bûche, tu peux la mettre. Ouais, je pense que c'est pas mal. Vas-y, la bûche, oui. Nickel. Oh, bien joué. La bûche bien placée. Donc, le petit sorcier. Mince, oh, le canon, je crois qu'il allait attirer le chevaucheur, mince. Bon, pour l'instant, c'est assez mal parti. J'attends un petit peu, là, on va mettre. Bon, bah, te presse pas. Prépare les flèches, non, je sais pas. Ouais. Je l'ai préparé des flèches, mais au final, il a pas de gargouille, il a rien pour... Ouais, il y a rien, donc. Les flèches ne servent pas à grand-chose ici. De toute façon, il y a la princesse.
Oh là là, oh là là. Et son chevaucheur de cochon, il est très puissant. Je crois qu'il est niveau 13 parce que... Ou 12, pardon. Parce qu'il est vraiment très puissant. Donc là, j'ai mal joué. J'ai mal joué vraiment. Dès le début, j'ai mis le géant, j'aurais pas dû. Parce que le géant, c'est quand même 5 élixirs, donc j'aurais pas dû jouer ça. Là, le problème, c'est que s'il attaque à gauche, ça va être chaud, mais ça devrait le faire. La Barbara niveau 13 en face, c'est puissant. C'est puissant. Là, ça va être chaud, là. Il défend bien quand même. Les deux là, ils défendent bien en face. Ok. Mes barbares ne servent quasiment à rien. Bon, c'est pas grave. Écoutez. Oh, bien joué. Par contre, on n'a fait aucun dégât sur les deux tours quasiment. C'est assez incroyable. 15 secondes, on va prendre 2-0-15. Mais quand même, ils ont bien joué les deux là parce que... Petite bûche pas très efficace, mais bon. Enfin, un petit peu, mais... Il aurait pu la mettre sur les barbares. Sur les barbares. Donc on va en faire parce que là, c'est vrai que... Bon, en tout cas, moi j'ai mal joué, donc... J'ai pas très bien joué, donc on va refaire ça 2v2. Bon, pas forcément avec lui, j'ai pas assez d'y connecter. On va faire 2v2. C'est quoi ça d'ailleurs? Oh, un coffre légendaire. Mais écoutez, on va l'ouvrir juste après. 2v2, c'est parti. Non, mince. Je voulais faire 2v2 avec le clan. Je me suis trompé. Donc il y a 3 lignes dans le clan quand même. Enfin, 2 du coup. Il y en a 2 parce que je suis connecté. Donc là, niveau 13 en face, et nous, niveau 11, ça va être chaud. Donc je suis toujours avec 007. On va essayer de se concentrer un peu là parce que... C'est pas ouf sinon. Hop. Oh là là. Bon, il y a une T2 en face. Ça c'est chaud par contre, une petite TDE. C'est la Valkyrie qui est toujours présente. Ouais, non, j'aurais pas dû mettre la bûche là pour être Valkyrie, ça vaut pas le coup. Enfin, quoique, elle a quand même fait pas mal de dégâts, c'est vrai. Oh, la boule de feu très bien placée. Les barbares niveau 13 ont disparu. On a du mal là quand même, on a du mal à gérer. Après, c'est quand même niveau 13, leur tour est... Leurs deux tours à droite et à gauche ont quand même 3668 points de vie, donc c'est quand même pas mal. Voilà, je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire. Je mets des petits gobelins comme ça, mais là, ouais. Je sais pas. J'essaie de me concentrer un petit peu, mais c'est vrai que là, en fait, on n'a pas des bonnes cartes, on a vraiment pas de... Ouais, c'est bon, ok. Bah, oh, le ballon, par contre, pas mal, là. Il va faire pas mal de dégâts. Ouais, nickel, écoutez, c'est pas mal. Eh, on a bien joué, là, on est bien rattrapé, là. On est bien rattrapé. Et il va mettre boule de feu. Oh, mince. Là, ouais, faut faire attention là. C'est là que ça va se jouer. Je vais mettre. Aïe, non, je vais mettre le ballon, mais là, ça va être chaud. Allez, c'est parti. Il va mettre le mineur là, je le sens. Ah. 4 secondes. Oh, voilà. On va trop tard. Là, c'était chaud, là. C'était quand même chaud. Ils sont quand même niveau 13.
Mais on a fallu avoir une tour. Bon, après, je pense qu'ils auraient eu le tour de gauche parce que là, il reste 800 points de vie à gauche, donc ils auraient quand même gagné, mine de rien. Bon, allez, on finit la vidéo sur un petit coffre légendaire. Enfin, les deux coffres. D'ailleurs, un petit coffre en or, là. 600 d'or, 21 fripons. Oh, une petite carte épique, un petit sort de clonage. Et donc, on finit sur une légendaire. Donc, j'espère une princesse comme ça. Ça fera une en plus pour l'augmenter niveau 13 ou 12, je sais plus. C'est parti. Petit screen. Ok, on a le méga chevalier. Donc, 2 sur 4. Plus que 2 pour le passer niveau 11. Et après, j'ai quoi? Après, j'ai rien, quoi. Après, j'ai... Ouais, 4700 trophées, de l'or, un petit coffre. Ok, ok. Donc voilà, la petite légendaire. Bon, ça fait toujours plaisir, vous allez me dire, un petit légendaire, ça fait toujours plaisir. De toute façon, c'est cette carte-là qui me manque. Enfin, là, il manque plus que 3 cartes. Enfin, 2 cartes, parce que celle-là n'est pas encore sortie officiellement. Celle-là, voilà, n'est pas encore sortie officiellement, donc il me manque 2 cartes, 2 légendaires. Donc, bah, espérons l'avoir, bien sûr, dans un prochain coffre légendaire, dans un coffre normal d'ailleurs, ça peut arriver, mais c'est même si c'est très rare. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao, ciao.